Bofa, une préfecture qui regorge plusieurs ports de pêche artisanaux. Des activités qui favorisent la création d'emplois durables et participent à l'autonomisation des femmes fumeuses, marieuses, entre autres, tout en les insérant dans la vie économique. Ici, les acteurs se mobilisent pour échanger sur le projet de développement durable de la pêche artisanale de Bofa, une manière de formaliser les activités de pêche. Et c'est une nature de capitalisation qui nous permet de procéder à l'ouverture d'un dialogue franc et sincère entre les parties prenantes et de tirer toutes les leçons apprises, les documenter, les vulgariser afin que les infrastructures puissent être entretenues et contribuent durablement à l'atteinte des résultats que nous avons fixés au début. Cette rencontre autour du projet de développement durable de la pêche artisanale de Bofa permettra aux fumeuses de procéder à la transformation du poisson au port et non plus chez elles, ce qui favorisera ainsi leur intégration dans la vie économique. Les femmes qui jouent un rôle clé dans la transformation et la commercialisation des produits de la pêche ont également bénéficié d'un appui technique à travers ces formations, renforçant ainsi le rôle central dans cette filière. Nous remercions les bailleurs de fonds pour l'aide qu'ils apportent à ma communauté, surtout pour le bien-être de la population. À travers la mise à disposition d'infrastructures et d'équipements marchands modernes, le projet s'est fixé pour objectif le développement durable de la pêche artisanale à Bofa, tout en s'inscrivant dans une logique intégrée amorcée depuis 2015 par la commune urbaine de Bofa et devant entraîner un accroissement des ressources propres de cette dernière.